C'est une dinguerie. Pourquoi il est en retard comme ça? Ok, t'es fraîche, mais fais pas la star, viens à l'heure, cousine. Je suis beau là ou quoi? Je passe bien. Petite coupe italienne et tout. Pop, pop, pop. Maman va kiffer. Maman va kiffer. Je crois que c'est elle. Hello. Désolée pour le retard. Ouais, quand la même. La bise, pas la bise. Comme tu veux. Comme tu veux. Allez, toi aussi. Vas-y, la bise. Ça va ou quoi? Et toi? Ah, ça me fait plaisir. Alors, on est où? On fait quoi? On va où? Bah là, un petit café sympa, un petit truc cosy. Un petit café. Ok, ouais. Allez, go. Allez, vas-y, viens. Ça va, Simon? Ouais, super, mais ça sent le charbon, en fait. Ah. C'est une chicha. Ouais, ils font... ils ont. Mais c'est... Donc c'est une chicha, quoi. Ouais, ils font un peu à côté, mais il n'y a pas que ça, ils font des cocktails. D'accord, mais d'accord, je suis pas obligée de prendre une chicha, mais quand même, pour un premier date, t'aurais pu mieux faire, quoi. C'est pas grave. C'est vrai. Tu vas bien? Ouais, ça va. Ça va, super. En tout cas, ça fait plaisir de te voir. Merci beaucoup. Tiens, j'ai découvert ton fil sur Insta, j'ai écrit et. Je vois bien, les photos et tout. Dubaï, Marrakech, Punta Cana. Ah, mais c'est le triangle des Bermudes, tu connais. Cartonne ces triangles. Ah, ouais, bah écoute, ça marche plutôt bien. Ouais, et ça, je voulais te demander, du coup, je fais quoi dans la vie? Alors, je suis technicienne de sourcils, j'ai un bar à sourcils sur Paname. Bonsoir. Bonsoir, merci. Et genre, ça cartonne de ouf. Ah, ouais? Grâce à moi, elles ont des regards de biche. D'accord, d'où ce regard-là, du coup? Exactement, t'as tout compris. Et toi, du coup, j'ai vu sur ta page Instagram, il était marqué COE, je sais plus comment ça s'appelle. Ah, CEO. Ouais. Founder. Ouais, tu fais quoi? Ouais, bah moi, je crée des entreprises, j'ai des business à droite à gauche, un peu à travers le monde et tout, tu connais? Ah ouais, c'est bien ça. Ouais, franchement, trop cool. Ouais, ouais, franchement, c'est lourd, ça marche bien. Je me plains pas. Du coup, t'es beaucoup en voyage? Ouais, ouais, de ouf. Je voyage énormément. Tu vois, là, je t'ai trouvé un créneau pour toi, mais c'est vrai que c'était compliqué. Homme d'affaires. Mais tu mérites, tu vois. Non, franchement, tu mérites. Merci, c'est gentil. J'aime beaucoup ta personnalité et tout. Et franchement, c'est cool. Ça fait plaisir, merci beaucoup. Ça est parti de la vie, tu connais. Mais c'est dans, excuse-moi, on va fermer dans 5 minutes. Déjà, mais il est 14h. Oh, franchement, on a fatigué. Je suis désolé. Ah, ok, d'accord, bon, on va y aller. Mais merci. C'est quoi le désir, là? C'est quoi ces horaires sautés, là? Ils font des siestes, ils sont creux à la maternelle ou quoi? Moi, je reviens plus. Vas-y, viens chez moi. Je te propose un truc, viens chez moi. Non, vraiment, toute. Cordialement et tout, je te propose ça, tu viens, on prend un verre, on s'installe, on boit. Ok, allez, go, on y va. Kiffe. Allez, vas-y, c'est parti. Là, ouais, c'est sûr que je reviendrai plus. Moi non. Tu vois pourquoi? Super. Bienvenue. Waouh, c'est magnifique. Vas-y, entre. J'aime trop. Tu kiffes? Oh, canon, c'est hyper grand. Bienvenue chez moi. Merci beaucoup, c'est super beau. Prie, t'habites tout seul? Tout seul, bien sûr. Fais comme chez toi, je t'en prie. Canon. Tu veux voir quelque chose? N'importe. J'adore. C'est hyper lumineux. Je dois faire des belles photos Instagram ici. Canon. Ton miroir, il est genre magnifique. Ah ouais, tu kiffes? Ah ouais, il a grandi grave la pièce et tout. J'aime trop la grandeur. Ah ouais, je voulais grave donner cet esprit-là à la pièce. Ah non, j'aime trop. Même le canapé. Confortable de... Canon. Ah! C'est du mouette? Non, c'est générique. Ah, bon, bah, bon, j'ai hâte. Mais ouais, sobriété, voilà, ouais, tu vois. Évidemment, j'imagine. Mais franchement, je suis très heureux de te recevoir ici. Merci ça me fait tellement plaisir, tu sais même pas. Merci beaucoup, en tout cas, j'aime beaucoup ton appartement. Tu kiffes? Ah ouais, j'adore. Pour tout ce qui est déco, n'hésite pas, tu m'appelles. Avec grand plaisir. Je m'occupe de tout, tu t'occupes de rien. Ah, magnifique. Bah, je t'appellerai alors. Y'a pas de souci, avec plaisir. Peut-être que je trouve un appart aussi grand que le tien. Exact. Tu sais que j'ai 3 chambres. C'est pas vrai? J'ai 3 chambres. Pour toi tout seul? Oui. T'es quelqu'un. Ouais, je peux inviter, franchement, il y a du monde qui vient, hein. J'invite beaucoup de monde, j'ai des gens qui viennent de l'étranger. Ah ouais. Trop bien. Donc voilà, mais c'est surtout... Donc j'ai de la chance, quoi. Exactement. T'es pas tombé sur n'importe qui. Ah, mais j'ai bien l'impression. À notre première rencontre. Damila, que tu as déjà saccagé. Du coup, bah voilà. Génial. C'est pas grave, on va nettoyer. C'est pas une villa, hein, c'est un appart. Ah, ah oui, c'est vrai, mais en fait c'est tellement grand que je me suis dit que... Ah, d'accord, y'a pas de soucis, t'inquiète. C'est un compliment, tu devrais prendre un compliment. Tiens. Merci, on trinque. Chin. Mais tu sais que tes extensions, elles te vont super bien, c'est incroyable. J'ai pas du tout l'extension. Hein. Ah, c'était... C'est mes cheveux. Bah, je sais pas, par contre, désolé, j'aime pas qu'on touche les cheveux. C'est pas contre toi, mais j'ai une phobie. Excuse-moi, excuse-moi. Et tu sais, ces yeux-là, tu sais, bien garnis, ça te va magnifiquement. Merci beaucoup. Bah, en fait, c'est de génération en génération, genre... Mon arrière-grand-mère et tout, elle avait des plus gros cils, petit à petit, ça s'estompe un peu, mais... Tes ancêtres, ils avaient des palmiers aussi, ah, bah, des palmiers, arrête, bah des palmiers, mais genre des petits styles d'éventails, tu vois. D'accord, d'accord. Ça s'estompe au fur et à mesure du temps, entre générations. Non, en tout cas, ça te va super bien. Merci, c'est magnifique. Merci, merci beaucoup.
C'est pas tout, je commence à avoir faim. Ouais. Ça te dit qu'on passe à table? Ok, t'as quelque chose à me proposer? T'inquiète pas, je vais allez-y. Prépare un bon petit plat. J'ai hâte. Voilà. Je suis en pleine préparation. Hein. Ah, mais j'espère que tu vas vraiment kiffer, que tu vas apprécier. Franchement, je m'attends à un truc. Waouh. Wow. Ah, mais franchement, j'espère vraiment t'épater. Allez, super. J'attends. Dépêche-toi. Hein. Voilà, excuse-moi, c'était un peu long. Non, t'inquiète. Je pose ça là. Waouh. Régale-toi. Franchement, j'ai fait ça vraiment. C'est une pizza et du riz. Mais non, c'est du risotto, t'as pas reconnu? Mais pas du tout. Bah, je sais pas, faut voyager un petit peu. Mais pourquoi ça vient d'où? Ah, mais ça, c'est tous les pays en fait, c'est multi-pays ça. Ah ouais? Bah, bien sûr. D'accord, ok. Risotto. Ah ouais? Ah, génial. Bah, écoute, bon appétit. Hein. Merci beaucoup. Bon appétit. Ah, ça va, c'est pas l'équilé. Tiré. Ouais, Fadel, mon frère, c'est comment le coloc? Et ce sera la meuf là. Et Fad, t'as invité une meuf? Hé, c'est pas Inès qui t'a invité une meuf sur Insta? Mais pas du tout, mais c'est qui Inès? Non, c'est pas ça. C'est qui Inès? Bonsoir. Ce qu'il dit. En fait, tu vas, vas-y. Je vais me doucher? Ouais, va toucher. C'est ton coloc en fait? Non, en fait, ça reste des je l'héberge. Ah, mais tu sais, j'ai eu trop peur. En fait, t'es vraiment un mec bien. Bah bien. C'est trop bien, t'es dans l'humanitaire et tout en plus. Ouais, bah oui, bah obligé. C'est pas trop difficile. Non, mais... Qu'est-ce que tu racontes là? En fait, t'es pas SDF. Dès qu'il y a une meuf, toi, c'est comme ça. Ouais, mais en fait, en train de. Une meuf, tu changes comme ça. C'est une grosse blague. C'est quoi? C'est mon procès là? Ah, ça se dit frère, mais dès qu'il y a une meuf, ça change. Vas-y, vas-y. J'arrive. Je vais m'expliquer avec elle en fait. Là, il y a un petit malentendu entre nous. Allez, garde ta meuf d'Insta. Tu vois, j'ai. Non, mais. Mais tu veux quoi toi? Là, il y a un petit malentendu. Va te mettre un pantalon, cache tes jambes là. Ah, ouais, il gaze les SDF maintenant. Ah, le bâtard. Mais je comprends pas en fait. On récapitule, t'es un gros mytho, tu fais grossiste depuis tout à l'heure. Moi j'ai un gars, moi j'ai un appartement ici, je suis propriétaire comment, de mon cul. Comment ça, je suis un mytho? Propriétaire de quoi du tout? Tu partages ton appartement avec un SDF? C'est bon, commence à bien parler en fait de mes amis. Ouais, SDF, alors. Ouais, alors. Mais tu crois que t'es qui? Mais tu t'es regardé ou pas? Mais tu crois que t'es qui? Mais tu mérites un plafond. Regarde, je t'ai préparé quoi? Ah, d'accord, donc c'est comme ça en fait maintenant. Mais moi je parle même pas avec toi en fait. Mais tu fais trop pitié. Mais c'est toi, tu fais mais pitié. Mais tu fais trop pitié. Mais je sais pas pourquoi je t'ai bien. Tu t'inventes une vie en fait, t'as zéro. En fait, t'as zéro. T'as photo, photo en vrai, rien à voir. Ah, t'as pas empêché de m'inviter en fait. Mais bien sûr. Tu fais trop de la peine. Mets ton risotto à la con là. Mais ta pizza refoute ta pizza froide là. Vas-y, c'est ce que tu mérites. Attention, t'es éclaté. Eh, je vais te bloquer sur Instagram. Au bouffon, va, t'as même pas. Je te donne même pas l'heure. Ça se voit de toute façon sur tes extensions, tes chauves. Cagole, quétier. Mais elle croit que je vais la laisser partir comme ça là? Elle m'a humilié, elle m'a rabaissé! Et en plus elle a rabaissé mon pote! On va voir maintenant. Va te faire foutre! Mais casse-toi! De toute façon t'es éclaté! Je t'ai bloqué de partout! Non mais moi aussi je t'ai bloqué, arrête de croire hein! Vieille meuf! Ta tête sans sel là, elle est bien moche! Ah ouais, elle fait bien la malice cette michetot! Ah c'est quoi, elle est partie? Dingue, ouais, elle est partie, c'est bon, ça y est, frère! T'as fait le gueulin tout à l'heure? Ouais. T'as vu comment t'étais? On s'appelle frère, c'est ça que tu fais? Mais non, mais ça m'a entendu. J'espère que c'est pas moi qui va faire la vaisselle. Comment ça fait la vaisselle, s'il te plaît? Et va dormir après. Demain, je travaille. Ça parle mal maintenant. Je prends les patins des gens et après, ça me parle mal. Y'a que ça comme Dieu là. Faut que tu fasses les courses, mon gars, c'est trop la haisse. Frère, on est obligé de faire les courses là. Rien, ah, tu crois, on va rester comme ça? Vas-y, si, prépare-toi, on y va. Ils sont comme. Oh putain, regarde ça. Et c'est comme dans ton frigo là? Non, et prends pas ça, tiens, tu putes la gueule, prends pas ça. Tu fais quoi là? Bah, je prends du pain de mie. Moi aussi. Eh, mais t'as vu ce que tu prends là? Comment, t'as vu comment tu les tapes toi? Tu crois c'est des chips? 110 euros. Juste ça, 110 euros? Mais la vie de ma mère, c'est une dinguerie. Tu fais combien moi? Mais c'est hors de question, moi, je paye pas en fait. T'as combien toi? 30 euros. T'es trop à l'aise. J'ai pas à faire comme moi. La solution là. Vas-y, je t'écoute. Ça reste du cœur. Quoi? Carrément, tu me dis reste du cœur, l'alarme elle monte. Non, par contre c'est 1. Mais c'est bon, faut pas la crever. Non, mais ici c'est les restes du cœur, hein, doucement, c'est 1. Donne-moi 2, cousine. Non! C'est plus crevant, mon frère. Eh, j'essaie d'être sympa avec toi. Hein. Maintenant, si t'as envie de rentrer chez toi, vas-y, rentre. Si déjà t'as un chez toi. Fad? Quoi, Fad? C'est pas Fad, c'est toi. Toi? Mais c'est pas moi. Mais bien sûr que si, c'est toi. Carré resto du cœur. Je suis choquée.